Et bonjour à tous, c'est moi Mitien, et aujourd'hui c'est le quatrième épisode sur Create Above and Beyond, la série. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? On avait fait la maison, la salle Sakura qui devait être une salle des coffres, et regardez, j'ai tout bien aménagé. J'ai commencé à mettre des panneaux un peu partout. Bon, ça se remplit relativement vite. Ici en fait c'est tout ce qui est Minecraft Vanilla, donc c'est les panneaux que j'utilise habituellement. Et là on a tout un pan de mur avec les mods. Un Create qui est là, et à chaque fois que j'avais des items d'autres modes, je les ai rangés dans des coffres. Bon, le problème c'est que ça se remplit assez vite, donc on fera sûrement des coffres avec plusieurs modes à l'intérieur. C'est pas trop un problème. Ici, il y a le petit atelier avec les fours. Pour l'instant, on laisse comme ça, c'est assez basique. Et j'ai mis l'échelle là. Je voulais la centrer, mais en fait on tombe sur la terrasse. Donc j'ai dû mettre l'échelle ici, pour accéder à l'étage avec le lit. Et la forge. J'ai mis la forge quand même. Parce qu'en fait, il n'y avait plus vraiment de place en bas. Après, on verra si j'utilise beaucoup ou pas. Mais là, elle est assez proche de la salle des coffres. C'est pas trop un problème. Donc, au niveau du déménagement, ça c'est fait. On s'est bien installé. J'ai eu quelquefois des attaques de creepers. Parce que forcément, je suis dans un endroit pas éclairé. Il faudrait que je pense à mettre des torches un peu partout et mettre des barrières. Donc ça sera à prévoir. Faudrait qu'on se fasse un petit tableau avec les objectifs, avant de les oublier. C'est pas très compliqué à faire. Bon, là, comme vous voyez, c'est totalement vide. Donc ça sera juste la mine. Oula, il est bizarre cet arbre. La malle était coupée celui-là. Bref. Pas grand chose d'autre qui a changé. Si ce n'est que... Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, ça doit être le marqueur. J'ai mis un marqueur. En fait, j'ai mis même la minimap. Suivant vos commentaires, je sais plus qui l'a dit. On pouvait appuyer sur... cliquer sur cette carte pour avoir la map. Et dans les options, il y a un onglet minimap qui était désactivé. Bon, je pense qu'il est peut-être désactivé pour le mode pack. On n'en a peut-être pas besoin, ça permet de débloquer les items de cartes et tout. Mais bon, je l'ai activé, puisque au moins ça vous aide aussi à vous repérer où je suis. Et ça me permet de voir un peu ce qu'il y a autour de ma base. Par exemple, il y a un creeper juste là-bas. Bref. Aujourd'hui, on va continuer. Il y aura des ellipses comme d'habitude. Mais j'étais en train justement de faire ceci. Un strainer base. C'est pas très compliqué à faire. J'avais les items. Et en fait, ça va me permettre de passer au contraption 2 du chapitre 1. Vous voyez qu'on est sur le chapitre 1, c'est trié par contraption, donc je sais pas ce que ça veut dire, des étapes. Et on a fait la contraption 1 dans l'épisode précédent, aujourd'hui on va faire la contraption 2, qui est catching sediment. Il faut qu'on récupère des sédiments et notamment du sable, le sable qui va nous être utile. D'ailleurs c'est écrit, c'est une bonne façon d'automatiser le sable à ce moment. La meilleure façon pour automatiser le sable à ce moment, c'est de construire des strainers. Les strainers, c'est un strainer base et un genre de filet qu'on met dessus. En fait, c'est des pièges à poissons, j'imagine, qu'on place au fond de l'eau. Ça tombe bien, j'ai un lac juste à côté de chez moi. On va pouvoir faire nos tests. On pourrait même mettre un petit quai ici. Ouais, j'y penserai. Donc j'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Notamment celui-ci. Ok. Ça a l'air d'avoir du diamant et tout. Il a l'air assez efficace. Et celui-ci, il est utilisé pour collecter les items généraux. Les items classiques, basiques. Donc c'est celui-là qu'on va faire en premier pour avoir du sable. Et ça se craft de cette façon. Et le canevas, ça par contre, je sais plus trop comment on fait. En fait, je sais pas du tout. Je l'avais vu un moment dans un craft, mais je sais pas comment ça se fabrique. Il faut du canevas. Farmer's Delight. Ça doit se pousser, straw. C'est une plante, une fibre de plante utilisée dans le crafting. C'est obtenu en coupant des plantes, des herbes. Avec d'autres plantes aussi, avec un couteau. D'accord, il faut juste couper des herbes avec un couteau, ça nous fait des herbes sèches. Ça paraît logique. Alors voilà, toutes sortes de couteaux. Il y en a un paquet.
Alors, je pense que c'est les couteaux de Farmer's Delight. Ah, mais c'est vrai qu'on a aussi Aquaculture qui est installée. Alors, il y en a plusieurs. Je sais pas s'ils ont tous la même durabilité. J'ai du silex, autant faire celui-là. Parce que j'ai plus trop d'iron pour l'instant. Faut que je me rappelle comment on fait. Je sais qu'il faut utiliser la forge. Je pense qu'il y a juste à mettre des morceaux de fer avec la lave. Ça doit pas être très compliqué. Bref. J'ai des bâtons. Je prends un truc comme ça. Voilà, j'ai mon petit couteau. Hé hé! Est-ce que ça sert à quoi? C'est écrit. On peut récupérer de la paille. Et des drops secondaires sur les animaux. Et sur les mobs. Oh, stylé! Juste comme ça sur de l'herbe. Et on peut la faire pousser facilement avec de la poudre d'os. Ok, c'est cool. Est-ce que ça marche sur le blé? Ça marche aussi. Très bonne nouvelle. Eh bien. En plus, ça n'a pas l'air de s'user. Tant mieux. Voilà, j'en ai quelques-uns. Je vais pouvoir faire mon craft. J'en fais trois. Et ensuite ça et ça. Et voilà, on a un truc de sédiment. Parfait. Et alors, comment ça marche? Ça génère des items quand c'est dans l'eau. Ça requiert un strainer et de l'eau au-dessus. Donc il faut quand même un bloc au-dessus. C'est assez profond là. C'est pas grave. On va pouvoir creuser un petit peu. Je le pose. Oh, stylé. Et je mets le truc de sédiment. Oh! Ok. Et ensuite. Ah. Pas de problème détecté. Ah, on vérifie les recettes. Ça marque un petit peu tout ce qu'on attrape, j'imagine. Donc là, ça me permet d'attraper du sable, tout type de sable avec de la clay ball, ok. Celui-là, c'est pour attraper beaucoup de poissons. Oh, du cuir. Et là, c'est des trucs plus rares, poissons et trucs plus rares. Ah, donc là, il a récupéré du white sand. Et on peut mettre des appâts, je crois. Ok, il y a 299 utilisations. Et ça fonctionne comme ça sans cesse. Ok, donc maintenant, parlons un petit peu automatisme. J'ai compris comment ça fonctionnait. Il va falloir que on fasse un truc plus intéressant. On pourrait se faire une petite usine à filets. Genre, on pourrait le mettre là, de ce côté-là. J'aimerais quand même garder une petite partie du lac dans ma maison. On pourrait mettre 9 filets, ça fait beaucoup, non? Je sais pas. C'est pas si compliqué à faire, hein. Un carré de 9. Ouais, soyons fous. Parce que ça produit quand même pas très très vite. Je sais pas, il n'y a pas écrit la vitesse, mais ça se calcule. Je pense qu'on pourra en faire un carré de 3x3, donc 9. 9 strainers. Relié à un système de transport, donc avec des extracteurs de create, et ça permet de récupérer tout le contenu et le placer dans un coffre qui serait sur la côte. Je pense que ça peut être sympa à faire. Je vais faire une petite ellipse et on fait ça. Alors, le projet d'automatisation de sable avance petit à petit. J'ai pas encore fait de replay mode de timelapse, mais ça avance, je suis en train de préparer tous les ingrédients, tout le matériel. Ça va être ici. Bon, cette colline est un peu au milieu, je pense que je vais sûrement la terraformer. Mais en gros, ici, il y a une petite plateforme avec un double coffre qui devrait récupérer les 9 strainers. Donc ils sont prêts ici, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il est là. Et 8. Le neuvième, il est là-bas, il est en train de récolter. Du coup, ils vont être tous là, et il y aura un tapis qui va envoyer tout dans le coffre. Le problème, c'est que je voulais le filmer parce que pour faire les tapis, il faut de la résine. Et ça, vu que c'est un craft assez particulier, c'est intéressant de vous le montrer.
Déjà, ce que j'ai pensé aussi, c'est que pour faire tourner les tapis, il va falloir de l'énergie mécanique. Et donc, je vais sûrement déplacer mon moulin avec la récolte d'arbres et les presses ici. Ça sera un peu plus près, ça évitera de d'amener toute l'énergie. Pour l'instant, en tout cas, on va faire comme ça. Alors, pour faire la résine, si on marque belt dans le J, on voit qu'il faut de la résine. Alors ça, c'est du caoutchouc cuit, on va dire. Donc il faut du caoutchouc classique. Et donc ça se fait en pressant de la résine. Ou alors en pressant des fleurs. Ah ouais, c'est quand même 4 fleurs, j'avais pas remarqué. Ah ouais, c'est un peu compliqué. 4 fleurs dans de l'eau. Ou alors du lierre. Le lierre est peut-être plus simple, mais je sais pas. J'en ai pas vraiment à proximité. Faudrait que j'aille en chercher. Bon, en tout cas, j'ai pas mal de fleurs, donc on peut déjà partir sur ça. Donc, pour voir si ça fonctionne, je suis venu ici. Alors ça, c'est un mixeur. Moi, il me faut une presse. La presse a besoin d'un axe horizontal. Donc, pour faire ça, c'est simple. Donc, normalement, si je fais ça, puis ça, et là, je mets un vertical gearbox. On peut le mettre dans ce sens même. Voilà. Et ensuite, je mets ma presse comme ça. Et le bassin que je vais remplir d'eau. Donc normalement, je le remplis d'eau. Je mets 4 plantes. Et ça s'écrase. Et ça fait du caoutchouc. Parfait. Il n'y a plus qu'à faire ça 12 fois. Avec 12 caoutchoucs, je pourrais faire 6 belts. Je pense. Et moi, pour mon système, j'ai calculé que j'en avais besoin de 5. Donc, je les transforme, je déplace le moulin, je commence à construire la récolteuse de sable automatique. C'est parti. Thank you.
Bon ben voilà, la récolte de sable et d'argile est quasiment terminée. J'en ai bien mis 9. J'ai mis les tapis qui tournent bien, qui relient le coffre. Normalement tout est ok, là il faudra mettre un peu de bois pour couvrir. Ça devrait bien fonctionner. Alors, ben il est temps de mettre les extracteurs. Et on va voir si tout fonctionne bien. Attention. Tac. Il faut bien la clé pour les mettre dans le bon sens. Comme ceci. Pareil ici. Bon, c'est des extracteurs en funnel d'andésite. Du coup, on peut pas les extraire par l'eau. Il faut les extraire un par un pour l'instant. Mais c'est pas très grave parce que ça les produit pas très vite. Ça devrait pas se boucher. Là, c'est parce que j'avais attendu un peu avant de les mettre. Mais du coup, ça se remplit. Ça se remplit correctement. Je vais pouvoir vider ce qui sert à rien. Tac. Et faire des genres de colonnes. Par exemple, tout ça, c'est le sable blanc. Ici, c'est le sable classique. Ici, c'est le sable orange. Et, ah oui, il en reste un peu plus. Ici, ça sera l'argile. L'argile est plus rare. Donc, on peut faire ça comme ça. Bon, ça avance plutôt bien et ça a l'air de produire assez vite. J'espère que le coffre va pas se remplir trop vite. Normalement non, on a quand même pas mal de stacks de sable avant que ça se remplisse. Si ça arrive, ben ça va déborder et créer des items au sol un peu partout. Bon, c'est pas non plus très grave, mais on va faire gaffe. Donc ouais, c'est bon, là ça bouchonne plus, c'est en train de produire normalement, avec la bonne cadence. Bon, on verra. C'est cool si ça produit ça comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est recouvrir avec du bois classique. C'est juste pour faire en sorte que ça sorte de l'eau. Alors on pourrait faire un truc. Comment est-ce qu'on pourrait faire? On va faire un truc genre comme ça. Tac. Et à partir de là, faire une jarre de fermeture comme ceci. Ah, c'est dommage, ça fait pas, l'eau passe pas au milieu. J'aurais voulu que ça soit vraiment au milieu de l'eau, mais on peut pas tout avoir. C'est pas très grave, remarque. Et là, ouais, on pourrait laisser comme ça en fait. Et donc là, j'enlève tout le tout la terre qui reste, ça devrait aller. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ah. Il y a un trou. J'ai complètement zappé ce trou. Tac. Il y a des trous un peu partout, hein. J'aurais dû vérifier avant. Bon. Ça devrait pas enlever tout ce qu'il y a dedans, hein. Ça fait rentrer l'eau, mais ça devrait aller. Hop. Ah ouais, ça bouchonne parce qu'il n'y a pas d'emplacement pour la terre. C'est vrai qu'il y a ça aussi, il faut faire gaffe. Hop. C'est vrai que s'il y a des choses qui tombent dessus, des drops de mobs ou quoi, ça risque de tout boucher. Alors au cas où, il faudrait quand même laisser... une ligne, une colonne vide. Voilà, juste au cas où. Ok, bah je pense que c'est pas mal comme ça. J'ai un peu éclairé. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'on va laisser comme ceci. C'est un peu bizarre que cette avancée soit collée à ça. Ce qui était plus loin, ça aurait été peut-être plus joli. Mais c'est pas très grave. Si on veut vraiment que ça soit joli, on enlève ça. Et on fait un genre de chute. Une chute avec un ventilateur qui fait un ascenseur qui ramène les items du bas vers le haut. Sans tapis. Et ça serait une petite amélioration pour plus tard. Voilà. Du coup, le récolteur de sable et d'argile est terminé. Alors, bah, il est temps de cocher la quête. Tac.
Récolteur de sable. C'est fait. Pas de récompense, malheureusement. Prochaine étape, ça va être la récolte d'algues. Ah, ça m'intéresse. J'ai besoin d'algues, effectivement. L'algue, c'est un ingrédient vital pour ta première ligne d'assemblage. Et pour faire l'un des étaloïs, surtout. On peut les récolter automatiquement avec des mechanical harvesters. Ok. C'est des petits trucs de create. Tout simplement. Cela. Mechanical harvester. Ok, il faut juste que je les place dans l'eau et que je fasse une petite plantation. Pourquoi pas. On pourrait le faire là, du coup. Là, il y a la place, c'est assez profond. Je sais pas si on aura le temps dans cet épisode. En fait, ce que je vous propose, c'est de faire un petit... Je vais faire le montage vidéo, je vais voir combien de temps la vidéo dure. Si c'est moins de 15 minutes, on va le faire dans cet épisode. Sinon, ça sera dans le prochain. Alors, bon, j'ai regardé la durée du montage, on est à 22 minutes à peu près. Donc, on va s'arrêter là. Ça fait déjà une bonne vidéo, en plus, elle a l'air assez sympa. J'essaie de faire un montage un peu plus dynamique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bon, pour l'instant, il faut toujours que je remette ça à la main, mais ça devrait pas durer très longtemps. Bientôt, on va pouvoir mettre en place des déployeurs. Oups. Tac. Bon, ben, cet épisode va toucher à sa fin. Avant de partir, je vais voir, pour commencer peut-être un petit peu au niveau de la récolte d'algues. Ça sera le prochain objectif. Normalement, les algues que j'ai récupérées, j'en ai un petit paquet. Il devrait m'en rester assez pour les planter. Je vais essayer de faire ça. On va utiliser le même pattern que l'usine à bois. Un rond comme ça avec 5. Je vais essayer de faire pareil dans l'eau et puis ça devrait pousser tout seul. Ouais, est-ce qu'on le fait plus profond? Bon, peut-être pas forcément besoin. Si on fait un truc de 5x5, c'est déjà pas mal. Alors, il faudrait qu'on fasse ça par là. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc au centre, il y aura le système rotatif avec des harvesters qui va pas récolter sur la première ligne mais sur la deuxième. Après, j'ai pas testé, mais bon, ils ont dit que ça pouvait se récolter avec des harvesters. Ils l'ont dit dans les quêtes. Je les crois. C'est le créateur de Create qui a fait les quêtes, donc j'imagine que c'est vrai. On n'a pas besoin de tester avant. De toute façon, l'usine va être assez simple à faire. Je pense qu'on la fera au début du prochain épisode. Et ensuite, on enchaînera sur une autre quête, sûrement dans le même épisode. Voilà, c'est planté. Donc, d'ici le prochain épisode, ça va pousser. Et on pourra les tester direct en live. Et ensuite, ça sera du coup récolté. C'est-à-dire qu'il faudra à chaque fois venir l'arrêter pour récupérer l'algue. C'est peut-être pas un problème. Mais en faisant des funnels, là, tout à l'heure, j'ai remarqué que les Portable Storage Interface sont en fait assez simples à faire. On n'a pas besoin de les faire forcément en funnel. Ah, ils n'existent pas en funnel d'ailleurs. En fait, ils sont assez simples à faire de cette manière. Avec le stone cutting. Donc, on pourrait le faire assez facilement. Et on pourrait faire peut-être pareil pour le bois. Bon, c'est pas très... Ouais, à voir. Ça évite d'arrêter le système à chaque fois, en fait. Faudra voir. Bon, ben voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. On a fait pas mal de choses quand même. On avance petit à petit. Si vous avez des idées, bien sûr, d'objectifs, d'amélioration, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Si vous avez des questions sur Create, vous pouvez aussi les poser, j'y répondrai. Et on se retrouve très vite pour l'épisode numéro 5. Bye bye!